on est producteur, mais en fait, il faut être, savoir faire de la gestion, de la comptabilité, les ventes. Ça regroupe énormément de compétences, du coup. Donc, on s'est dit, effectivement, que pour maximiser les chances, justement, de réussir à notre petit périple, voilà, ce serait de faire un BPROA, effectivement, comme la dame avait fait. Donc, c'est un brevet de... brevet de responsable d'exploitation agricole, je vais y arriver. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on a commencé ça depuis 7 ans, là, donc on est en plein dedans. Donc du coup, on commencera à produire. On va essayer justement de mettre tout en place cet été, là, voilà, pour avoir une production, un début de production au printemps. Et sur le long terme, on espère. Voilà, je suis peut-être trop long pour l'explication. Je sais pas si vous avez des questions du coup sur. Pourquoi la Bretagne ? Comme dit, oui, c'était. Le prix du foncier. Ouais, voilà. C'était une question pratique parce qu'on cherchait en Alsace, mais en Alsace, les prix sont 10 fois plus chers parce qu'ici. Ou alors c'est très très compliqué de trouver des maisons avec du terrain. Parce qu'on cherchait une maison justement avec du terrain. On a une maison avec un hectare, donc c'est pas énorme, mais en Alsace pour trouver ça, ou alors effectivement c'est des maisons, t'as des grosses maisons avec un gros terrain, quoi. Donc voisinant le demi-million ou plus, en euros je parle, hein. Donc c'est très compliqué. Donc après oui, c'était plus, voilà, quitte à remettre en cause le travail, etc. Voilà, on a tout remis en cause, quitte à faire table rase, on est reparti à zéro, voilà, nouvelle région, Justement, on rejoint le principe de la dépendance financière justement aux banques, de ne pas se retrouver avec des crises énormes et puis avec une pression financière derrière aussi par rapport à ça, quoi. Donc voilà le pourquoi de la Bretagne. Mais pour après, on peut aussi quand même dire que toi, tu avais fait tes études ici, donc elle a un peu aiguillé le... Voilà. C'est souvent les femmes qui décident. Hein, mais... C'est un dernier mot, donc... Ah, c'est vrai qu'on est arrivé, voilà, on a été bien accueillis, voilà, on connaît pas mal les monde. Dominique, voilà, qui nous a déjà pas mal aidé aussi, qui en achète du miel, voilà, le maire aussi qui nous a. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est une preuve, voilà, que les gens sont quand même aussi impliqués pour nous aider justement pour développer le projet, etc. Quoi. On a rencontré du coup plein de monde, voilà, qui ont été très sympas et prêts à nous aider, voilà, dans nos démarches. Et à nous donner un coup de main pour diverses choses, quoi. Donc à ce niveau-là, voilà, on est quand même bien content d'être arrivé ici, finalement.